Je vous présente ma façon de faire une caricature. Je saisis d'abord la forme de la tête en regardant un modèle. Jean Dujardin, bonjour. Je place la position du nez. Ok, le but, c'est d'exagérer certains de ses traits. Il a un visage plutôt ovale, contrairement à un DiCaprio par exemple qui aura un visage rond et plutôt vers le bas. On pourrait facilement exagérer la place de son front par exemple. Désolé. Pour Dujardin, je lui allonge le visage vers le bas. Il a un bas de visage assez carré avec un menton droit, une légère fossette. Les oreilles, elles sont de bonne taille, assez dégagées. Je peux les exagérer si je veux, c'est une méthode assez simple, après je reviendrai dessus. Une bouche plutôt large, des yeux expressifs, légèrement angulaires. Son nez, très important, je le fais en reprenant ses particularités. Plutôt droit, long et tombant vers le bas. Limite, on pourrait lui faire toucher sa bouche pour l'exagération. Et les narines un peu tendues, ouvertes, à la Bryce de Nice. Et des sourcils froncés. Les petites rides des yeux, du front, des pattes qui descendent le long des oreilles. Encore un trait physique qu'on remarque direct chez lui. Bon, les oreilles, on peut les réduire. Tout s'ajuste pendant l'évolution du portrait. Là, paupière gauche plus haute que celle de droite. C'est un détail, mais ça change le regard. Maintenant, on transforme le portrait avec un crayon foncé. On peut faire les ombres, les volumes. On va bien forcer sur certains traits à mesure. L'idée, c'est de représenter son regard assez fidèlement. Le reste, on va l'exagérer un peu. C'est souvent du regard qu'on reconnaît les gens. Donc, faut pas se planter dessus. Et des cheveux noirs, évidemment bien coiffés. Mon crayon, c'est un Faber-Castell Graphite 12B Mat. Il brille très peu, c'est la particularité. On change aussi pour les dents. Je vais les allonger. Pendant ma création de volume, j'en profite pour donner des petits détails, comme lui gonfler un peu les joues. Puis, j'étale la peau et j'ajoute un niveau de gris avec cet outil qui est génial. C'est la stampe en papier. Les caricatures sont souvent faites par des artistes de rue hyper talentueux qui saisissent vos traits et arrivent à les poser super rapidement. J'en suis loin, je suis en train d'apprendre à en faire. Faut charbonner longtemps pour gagner en vitesse. Petite touche portraitiste, j'attrape mon crayon, je le mets presque à plat pour faire un grattage de fond gris. Exagération. J'ai réalisé ce portrait avec le kit Pit Graphite Matte de chez Faber-Castell. Ils ont la particularité d'être intenses et très peu brillants. Et comme d'hab, vous pouvez les gagner avec le fameux hashtag Griffe Noël. Bonne chance à tous!